السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم إن شاء الله غادي نكونوا مع درس آخر من دروس السنة الأولى إعدادي مسار دولي، وبالضبط غادي نشوفوا لي لوا دو كورون اي دو تونسيون إلكتريك. دونك لوبجيكتيف، ما نطولش عليكم، نمشيو ديريكتومون. لوبجيكتيف دو سو كور اي بروميييرمون دو كونيتر لا لوا دو لونيسيتي دو لانتونسيتي، deuxièmement connaître la loi des nœuds et savoir l'utiliser, troisièmement connaître la loi d'additivité des tensions et savoir l'utiliser aussi, et dernièrement on va voir l'association des piles en série. On commence premièrement par les lois de l'intensité du courant. L'intensité du courant dans un circuit en série. Alors, on va faire une expérience. On mesure l'intensité du courant électrique en différents points d'un circuit en série. Donc on va prendre un circuit en série. On a ici un générateur et deux lampes L1 et L2. Et on branche en série dans ce circuit-là 3 ampèremètres. Le premier ampèremètre A1, le deuxième A2 et le troisième A3. Chaque ampèremètre va mesurer une intensité qui les traverse. Par exemple, on voit que le premier ampèremètre affiche la valeur I1 est égale à 1,8 ampères. Aussi, l'ampèremètre, le deuxième ampèremètre affiche la même valeur, 1,8 ampères, et la troisième affiche aussi la même valeur. Donc on observe que les trois ampèremètres indiquent la même valeur de l'intensité du courant. On conclut que l'intensité du courant électrique est la même en tout point du circuit en série. On dit que dans un circuit en série, il y a unicité des intensités de courant. C'est ça, oui, ala moussawa ashiddat. Donc dans un circuit en série, dans tout point de ce circuit, il a généré un ampèremètre qui affiche aussi 1,8 ampère. Il a un autre ampèremètre qui affiche aussi la même valeur. Donc dans n'importe quel point de ce circuit-là, lorsqu'on place un ampèremètre, il affiche la même valeur de 1,8 ampère. D'accord? Bon. Une remarque, il faut le mémoriser. L'intensité du pont, l'intensité du courant, du pont de quoi? Dépend du nombre de récepteurs dans le circuit, en série. Par exemple, si on augmente le nombre des appareils, par exemple, si on ajoute une autre lampe, ou bien une autre lampe, ici, on constate que l'intensité du courant diminue. Lorsque le nombre des appareils augmente, l'intensité diminue. Elle diminue lorsque le nombre de récepteurs augmente et ne dépend pas de leur ordre dans le circuit. Ça veut dire si on change l'emplacement d'un récepteur d'une place à une autre place, l'intensité de courant garde la même valeur. La valeur de l'intensité ne change pas. Alors, on va voir maintenant l'intensité de courant dans un circuit en dérivation, ça veut dire dans un circuit en parallèle. On va faire une expérience. On réalise le circuit qui comporte une branche principale où se trouve le générateur. Oui, c'est cette branche-là. C'est la branche principale. Cette branche, c'est la branche principale. Et deux branches dérivées. Alors, la première branche dérivée et la deuxième branche dérivée, ça. Comme observation, on observe que les ampèremètres affichent, pour l'ampèremètre A, affiche la valeur I égale à 2 ampères. Pour l'ampèremètre A1, elle affiche la valeur 1,3 ampères. Pour l'ampèremètre A2, elle affiche la valeur de 0,7 ampères. On déduit que la somme de I1 plus I2 est égale à I, parce que 1,3 plus 0,7 nous donnera 2 ampères. C'est ça la relation mathématique qui lie l'intensité dans la branche principale avec l'intensité dans les branches dérivées. Alors, dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités du courant dans les branches dérivées. Maintenant, on va parler à une autre notion. C'est le nœud, l'uqda. Un nœud est l'intersection au moins de trois conducteurs dans un circuit. Par exemple, le point N et le point M, ce sont des nœuds. Parce que ici, on a le premier branche, le deuxième branche, le troisième branche. Ça, c'est le branche principal et celle-là, ce sont les branches dérivées. Donc, on a combien de branches? On a 1, 2, 3.
On a un nœud et l'intersection au moins de trois conducteurs dans un circuit. Ça veut dire au moins trois, peut être quatre, peut être cinq, peut être six au plus, mais on ne peut pas être deux. On ne peut pas être deux. D'accord? Mais on a un nœud lorsqu'on a deux conducteurs en liaison. Maintenant, un nœud. Alors, la loi des nœuds. La somme, il dit que la somme des intensités du courant entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités du courant sortant du même nœud. Par exemple, si on prendra ce figure-là, on a ici un nœud. On a des courants qui entrent dans le circuit. Par exemple, comme ça. Premier courant, deuxième courant. Oui. Ici, on a des courants qui sortent du circuit. On peut dire que dans ce nœud-là, on a une relation que I2 plus I3, par exemple, ça c'est I2 et ça c'est I3, est égal à I1 plus I4. Les entrants est égal à la somme des sortants. C'est bien. Donc maintenant, on va voir une application pour comprendre bien la loi des nœuds. Appliquer la loi des nœuds pour chacune des nœuds suivants. Par exemple, dans ce nœud-là, on a des courants qui entrent et des courants qui sortent. D'accord? Les courants qui entrent, c'est I2 et I3. Et les courants qui sortent, c'est I4 et I1. Donc on peut écrire que I2 plus I3, les entrants, est égal les sortants, I1 plus I4. La deuxième application. On a ici I1 entre et I2 et I3 sort des nœuds. Alors, la relation mathématique, c'est la loi des nœuds. I1 est égal à I2 plus I3. Un quatrième exemple, on a I2, I1, I3 entre dans le nœud et I4 sort du nœud. Ça veut dire que I1, I1 plus I2 plus I3 est égal à I4. On va voir une autre application. On a ici trois figures A, B et C. Dans chaque figure, on a une intensité inconnue. On va voir comment on peut calculer cette intensité qui est inconnue. Dans la première figure, on a I, le courant principal est égal à I1 plus I2. C'est la loi des nœuds. Selon la loi des nœuds, I est égal à I1 plus I2. Le courant qui entre est égal à la somme des courants qui sortent. Alors, on désire calculer I2. On va déplacer I1 à l'autre côté et on change le signe de I1. I1 est positif lorsqu'on place ici, il devient négatif. Ça veut dire que I2 est égal à I moins I1. C'est bien? Application numérique, I2 est égal à 3,6 moins 0,7. Ça veut dire que I2 est égal à 2,9 ampères. Un deuxième exemple, B. On a le courant qui entre, c'est I toujours. I1 et I2 qui sort, ça veut dire la relation des lois du nœud. I est égal à I1 plus I2. On va calculer quoi? I1. On déplace maintenant I2 à l'autre côté et on change le signe. Ça veut dire il est positif devient négatif. Alors que I1 est égal à I moins I2. Application numérique et on trouve que la valeur de I1 est égale à 2,3 ampères. Un dernier exemple, c'est. On a I, le courant principal, entre, est égal à I1 plus I2. Appliquer la loi des nœuds directement, faire l'application numérique et tu trouveras la valeur de l'intensité. Mais il faut faire attention aux unités. Par exemple, ici, on a I1 est égal à 560 milliampères et I2 est égal à 0,44 ampères. Ça veut dire qu'il faut convertir une des valeurs, soit 560 ou bien 0,44. Il faut le convertir en ampères ou bien en milliampères. Donc on va le convertir 560 en milliampères en ampères. On divise sur 1000. C'est égal à 0,56 plus 0,44 alors que I est égal, le courant principal est égal à 1 ampère. C'est bien. Passons maintenant à une remarque très importante. Dans un circuit en dérivation, plus on ajoute des branches en parallèle, plus l'intensité du courant qui traverse la branche principale augmente. C'est l'inverse. C'est l'inverse du cas du montage en série. C'est l'inverse.
des cas de montage en série. Dans un circuit en dérivation, plus on ajoute des branches, plus on ajoute des branches en parallèle, plus l'intensité de courant qui traverse la branche principale augmente. Si le courant dans la branche principale est trop important, cela entraîne un surchauffement des fils de connexion, risque d'incendie et une détérioration progressive du générateur. Comme ça, lorsqu'on a une seule prise, ça veut dire ça, c'est on a plusieurs branches. C'est un montage en parallèle, en dérivation. D'accord? Ça entraîne un surchauffement des fils de connexion. Un surchauffement et peut être risque d'incendie. Il faut faire attention à ce type de montage. D'accord? Il peut être brûlé, les fils de connexion, comme ça. Alors, notez bien que lorsqu'on parle des branches et des boucles dans un circuit en dérivation, il faut faire attention à des notions très importantes, comme une boucle. Une boucle est une portion du circuit qui contient le générateur, comme ça. C'est une boucle qui comporte le générateur. Boucle qui comporte le générateur, on peut dire que cette boucle s'appelle boucle de courant. Une branche est constituée par un ou plusieurs dipôles montés en série entre deux nœuds. Comme ça. On a combien de branches? C'est le branche principale, le branche dérivée. Oui. Et A et B, ce sont des nœuds. Oui. C'est le branche principale et ce sont les branches dérivées. Il faut faire attention à ces deux notions, boucle et une branche. On va faire un exercice. Oui, maintenant passons à la loi d'additivité des tensions électriques. Loi, premièrement, loi d'unicité de la tension. On va faire une expérience. On réalise le montage suivant et on mesure la tension électrique aux bornes de chaque dipôle. Bon, on a un générateur et deux lampes et trois voltmètres. Mesure la tension entre les bornes du générateur et des deux lampes, L1 et L2. Observation. Les deux lampes sont montées en dérivation avec le générateur. Et on constate que U, la tension du générateur, est égale à la tension du première lampe, est égale à la tension du deuxième lampe, est égale à 6 volts. Ça veut dire ayant la même valeur de tension. Conclusion. La tension aux bornes du générateur est la même aux bornes de chaque dipôle en dérivation. Donc, dans un circuit en dérivation, la tension obéit à la loi d'unicité des tensions. Mais il faut faire attention à une chose très importante. Lorsqu'on a des fils vides entre le générateur et la première lampe et la deuxième lampe, on a des fils vides là. On a un fil vide ici et un fil vide ici. On dit que les trois tensions, la tension du générateur est égale à la tension du premier récepteur est égale à la tension du deuxième récepteur. S'il y a un autre récepteur ici, et on a des fils vides entre eux, on a des fils vides, ça veut dire qu'on a aussi la tension du quatrième récepteur, ou bien du troisième récepteur. Mais s'il y a un récepteur ici, d'accord? Et je n'en fous. Donc, on a la loi d'unicité. Dans un circuit en dérivation, la tension aux bornes des dipôles ou ensemble des dipôles branchés en dérivation, branchés, avec branché en dérivation est la même, c'est bien. Alors, avec U, c'est égal à U1, c'est égal à U2. Bien. On va faire une application et on va voir pourquoi l'intensité n'est pas la même le cas où on n'a pas des fils vides. Par exemple, dans ce cas-là, on a des fils vides ici. C'est la branche principale, branche dérivée, générateur. Lampe et résistance. On a trois
voltmètre. Chaque voltmètre indique une valeur. Dans la figure ci-contre, le voltmètre V1, ça veut dire dès le générateur, affiche le résultat de la mesure U1 est égal à 4,5 volts. Quelle est la tension U2 mesurée par V2? Quelle est la tension de voltmètre V2 au bout de la lampe avec la justification de réponse? Quelle est la tension U3 mesurée par V3? Et justifier la réponse. D'accord, on va faire la correction. Selon la loi d'unicité des tensions, lorsqu'on a des fils vides ici, lorsqu'on a des fils vides, le voltmètre V2 indique la valeur U2 égale 4,5 volts, car entre le générateur et la lampe, on a des fils vides. C'est-à-dire la tension entre les bornes du générateur, c'est la même tension entre les bornes du lampe. 2. Le voltmètre V3 aussi indique la valeur 4,5 volts, car le générateur et le conducteur ohmique, le conducteur ohmique, entre les deux, on a des fils vides aussi. On a des fils vides aussi. D'accord? C'est bien. Loi d'additivité des tensions. On va faire une expérience aussi. On réalise le circuit suivant. On réalise le circuit suivant. Les lampes sont montées en série avec le générateur. Ensuite, on mesure la tension aux bornes de chaque dipôle. Oui. On trouvera les valeurs suivantes. U aux bornes du générateur est égal à 6 volts. U1 aux bornes de la première lampe L1, 1,5 volts. Et L2 est égal à 4,5 volts. Idesh dina la valeur de U1. On définira la valeur de U2. On va voir quoi? On va voir que la somme des deux tensions est égale à la tension du générateur. On dit la tension U est égale à 6 volts aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des lampes. Ça veut dire que U est égal à U1 plus U2. Dans un circuit en série, la tension aux bornes de l'association en série de plusieurs dipôles est égale à la somme des tensions aux bornes de chacune des dipôles. Ça veut dire que la tension aux bornes de l'association, la tension la plus grande, la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle. Les tensions qui aiment bien. C'est bien. On va faire une application pour bien comprendre. Par exemple, à date de montage, dans la figure ci-contre, le voltmètre V affiche la tension UG, ça veut dire U générateur. V affiche la valeur 6 volts. Et V1 affiche la valeur 3,8 volts. Puisque, à date de montage, entre G et la première lampe, deuxième lampe, montage en série, on peut appliquer la loi d'additivité des tensions. Déterminer la valeur affichée par V2. Pour calculer la valeur de V2, on peut utiliser la loi d'additivité des tensions. Donc, on a, selon cette loi, que UG, U de générateur, est égal à U1 plus U2. Alors que U2, I1, on va le déplacer ici, devient moins U1, on a UG moins U1. Alors, application numérique, U2 est égal à 6 volts moins 3,8 volts, ça veut dire que I2 est égal à 2,2 volts. Bien. Maintenant, on a un problème. Adnan a acheté un jeu électronique qui fonctionne avec une pile plate de 4,5 volts. En arrivant à son quartier, il n'a pas trouvé ce genre de pile. Il y a seulement des piles rondes de 1,5 volts. Peux-tu l'aider à faire fonctionner son jeu électronique avec les piles de 1,5 volts? C'est clair. Donc, je vais vous montrer comment je peux aider Adnan à utiliser le jeu d'hier. Alors, on va faire l'association des piles. Premièrement, on va associer des piles en série et en concordance. On va faire une expérience pour ça. On réalise le montage suivant, utilisant des piles dont la tension entre ces bornes est, par exemple, la tension entre les bornes du premier générateur est 1,5, deuxième générateur 1,5 aussi, la troisième générateur 1,5 aussi.
On observe avec un pile. Donc, maintenant, il y a la première pile. Première pile. À boîte. Comme ça. La lumière est très faible. La lumière de la lampe est très faible. Avec deux piles. Comme ça. La lumière est faible. Et un peu faible. Quand on a bzaf, bzaf. D'accord? Avec trois piles, la lumière est normale. Est normale. Donc la lampe brille normalement. On dit quoi? Si 10 piles sont montées en série et en concordance, leur tension s'ajoute. Ça veut dire quoi en concordance? Ça veut dire toujours on va brancher un pile à l'autre de façon que la borne positive de la deuxième avec la borne négative du premier. Et la borne positive de troisième avec la borne négative du deuxième. Et on constate que had le branchement bien, had l'association, had le générateur, tension dialogue ou la somme des tensions, U1 plus I2 plus I3. C'est bien. Dans une association des piles en série, on prend soin de bien mettre en contact la borne positive d'une pile avec la borne négative de la suivante. La borne positive d'elle, le deuxième avec la borne négative d'elle, le premier. La borne positive d'elle, le troisième, mais la borne négative d'elle, le deuxième. C'est bien. Comme ça. Donc, toujours, on mettre la borne négative avec borne positive. Borne négative avec borne positive. C'est la somme de l'ombre, le générateur, équivalente, la tension entre ces bornes, c'est 4,5 volts. Bien. La pile plate de 4,5 volts est constituée de trois piles de 1,5 volts associées en série. Donc, c'est la pile plate. Alors, il y a trois piles associées en série. Comme ça. D'accord. Donc chaque petite pile a 1,5 volts. Donc 3 1,5 est égal 4,5 volts, c'est la valeur affichée sur la pile plate. C'est bien. En série et en opposition. Maintenant, on va faire l'association en série et en opposition. On réalise le montage suivant et on mesure la tension aux bornes de chaque générateur. Donc, on a deux générateurs G1 et G2, montés de façon que la borne négative avec la borne négative. C'est ça, en série et en opposition. Mais si on concordance, qui connaît la borne positive avec négative. Mais maintenant, en opposition, la borne négative avec borne négative, ou bien positive avec positive, c'est la même chose. Donc U1, la valeur de U1 affichée par V1, c'est 1,5, et la valeur de U2 affichée par V2, aussi 1,5. Observation. Les piles sont montées en opposition et la lampe ne brille pas. Donc elle ne fonctionne pas. La tension entre les bornes des deux piles est nulle. Ça veut dire que le voltmètre a affiché la valeur U est égal à 0. On dit quoi? Si une pile est montée en opposition, sa tension se soustrait aux autres. Donc le circuit ne fonctionne pas correctement. Ça veut dire que U est égal à U1 moins U2 est égal à 0. Merci, merci, merci de votre attention et bonne chance. Salam alaikum wa rahmatullah.